nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Esprit Saint, descends sur ton peuple et accorde-lui le pouvoir de discerner les signes du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au jeudi 24 novembre et nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Pas plus que la semaine dernière et même hier, nous avons entendu Jésus prophétiser contre la ville de Jérusalem, rappelant de ce fait même à ses disciples les tribulations de la fin dernière. Aujourd'hui encore, nous le voyons revenir sur les mêmes événements du jugement dernier. Mais pourquoi une telle insistance de la part du Seigneur? Si Jésus revient sur cette prophétie malheureuse, en la répétant d'une manière plus expresse, c'est qu'il veut sans doute signifier que parmi les événements avant-coureurs du dernier jour, du dernier jugement de Dieu et du retour du Fils de l'homme, il ne devait pas y en avoir de plus frappant qui puisse produire une impression plus durable que la destruction de Jérusalem. Dans la prophétie de ce jour, bien-aimé, il nous est rapporté qu'un jour viendra où la ville de Jérusalem sera cernée par des puissantes armées, que la Judée entière sera dévastée, détruite, qu'il n'y aura d'autre moyen que la fuite pour échapper au sort et la ruine commune devant ce froid qui pourra tenir. Il nous a été déclaré que l'épée n'épargnera ni les femmes, ni les enfants à la mamelle. Quel malheur! Il est dit que les Juifs échappés à ce désastre seront dispersés, opprimés parmi tous les peuples et que Jérusalem sera foulée aux pieds, occupée, pris d'assaut et tyrannisée par les nations jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nations étrangères à l'évangile du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur ajoute que même après de tels jugements, démonstration pourtant qui s'y manifeste de la divinité, de sa divinité, il y aurait encore et malheureusement de faux Christ et de faux prophètes qui flâneront au milieu des hommes. Il faut dire que c'est pour la troisième fois que le Seigneur présente ce tableau dans cette même prophétie. Et on peut aujourd'hui être tenté de s'interroger en disant que plusieurs siècles se sont écoulés, mais pourquoi on n'a encore rien vu de cela? Et pourtant le Seigneur en parle ici comme si ce temps de jugement dernier a été fort proche. Bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur en parle comme si ce temps était fort proche, c'est non seulement parce que 1000 ans sont aux yeux du Seigneur comme un jour, mais encore parce que cette prophétie se rapporte à une série d'événements qui se sont succédés et se succéderont, toujours semblables et toujours nouveaux jusqu'à la venue du Seigneur. Il a donc voulu que chaque génération de ses disciples vécût dans l'attente de ce jour. Quant à la manière dont il se passera et aux événements qu'il annonceront, notre Seigneur nous invite qu'à être attentifs aux signes des temps.
Que le Seigneur ouvre nos sens et nos yeux, afin que nous puissions déterminer exactement et avec discernement les signes qui précéderont cette venue du Fils de l'homme. Qu'il nous donne d'être prêts à l'accueillir au jour de son retour. Donne ta vie à Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.